Fanny Sylvie. Merci beaucoup. Madame Sylvie Guillaume, à la parole. Président, chers collègues, je souhaite revenir ici sur la question de l'installation des scanners corporels dans les aéroports que l'on nous présente aujourd'hui comme la solution face à la menace terroriste, tout en entretenant un sentiment de peur. Certains États foncent tête baissée, sans même avoir étudié les impacts d'une telle mesure en termes de santé publique, de sécurité et surtout de liberté publique. Soyons réalistes, la sécurité à 100% n'existe pas. Un moment d'inattention, une erreur humaine, cela est possible. De plus, l'exemple de l'attentat manqué contre le vol Amsterdam-Detroit a surtout montré les failles d'un système de renseignement. C'est donc bien de ce côté-là que l'on doit chercher des solutions afin de passer à une culture de l'échange et de la confiance entre les différentes autorités parties prenantes. Enfin, cibler exclusivement les aéroports, c'est faire bien peu de cas des possibilités d'action de groupes mal intentionnés dans les gares, les métros ou dans tout lieu de regroupement humain, et ils sont très nombreux. Aussi, avant toute décision hâtive et onéreuse, reprenons d'abord l'initiative d'un débat large et transparent, dépourvu d'émotivité et objectif. Dziękuję. Pan Mario Rosario Correa. Merci. Monsieur Rosario Crocetta. Pan Rosario Crocetta. Okay. N'est pas là.